Bienvenue dans mon univers. DJ Bar est mortel, celui qu'on ne pourrait pas abattre. La chaîne où je vous apprends à devenir homme avec un grand H. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Comment devenir un homme alpha? Vous savez, le premier signe qui montre que tu es un homme alpha, c'est de pouvoir rester seul. C'est de pouvoir vivre seul sans quelqu'un d'autre. De te rendre heureux tout seul, c'est ça un mec alpha. La dernière fois, j'ai discuté avec un ami. Bon, on a discuté, il m'a dit « DJ Bar, moi, je ne sais pas, mais je ne peux pas rester seul. » À chaque fois, j'ai besoin d'une fille qui est à côté de moi. Mais c'est un bêta, ce gars-là. C'est un bêta. Parce que les bêtas, ils sont toujours là pour faire plaisir les filles ou bien pour imposer leurs moyens envers les filles pour les avoir. Il faut être un homme alpha et ça, c'est un grand travail. Ça, c'est un travail de soi. Être un homme alpha, c'est se rendre heureux tout seul. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre qui viendra dans votre vie. Si tu es un homme et que tu ne peux pas résister d'être seul pendant 2-3 mois, tu es un bêta, malheureusement. Un homme alpha, c'est quelqu'un qui a des options dans sa vie. Qu'il voit une fille ou pas, bon, il s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il va vivre. Il va se rendre heureux. Donc, les gars, apprenez à être un homme alpha et pas un bêta. Vous savez, les bêtas, ils sont toujours là, en train de faire plaisir les filles. Non, la fille doit courir derrière toi. Il faut arrêter les bêtas de vous dire que les filles sont au-dessus de vous. La seule personne qui est au-dessus de toi, c'est Dieu. À part Dieu, c'est toi qui es le maître de ta vie. Donc arrêtez de penser que les filles sont au-dessus de vous. Non, non. Ça, c'est les bêtas qui fonctionnent comme ça. Mais les hommes alpha, ils croient en eux. Ils croient en eux. Ils incarnent quelque chose qui est unique envers eux, au fait. Les gars, les choses, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui est facile. Un homme alpha, c'est quoi? Il a une mentalité d'un champion. Un homme alpha, il se lève avant tout le monde et il dormira après tout le monde parce qu'il a passé tout son temps à bosser dans la journée. Un homme alpha, c'est quelqu'un qui se dit qu'avant de manger là, je vais finir mon option. Je vais finir mon travail avant de manger. Un homme alpha, c'est quelqu'un à qui, quand on lui donne un boulot, au lieu de le faire en 2 heures de temps, il le fait en 1 heure de temps. Et c'est ça un homme alpha. Au fait, c'est quelqu'un qui peut rester 1 an sans aucune fille. Mais si vous vous concentrez sur vous, par exemple, 1 an, 2 ans, et que vous bossez sur votre avenir, vous bossez sur votre réussite, mais tu es un homme alpha. Un homme alpha, il peut résister 2 ans, 3 ans, sans même être avec une fille. Parce qu'il sait que c'est lui la priorité, et pas cette fille-là. Parce que les filles courent derrière la réussite, et non pas avant la réussite.
Est-ce que vous comprenez? Je vais répéter là parce que la répétition est pédagogique. J'ai dit les filles, elles courent derrière la réussite quand vous réussirez après et non pas avant la réussite. Donc les gars, il faut que vous soyez intelligents. Il faut que vous soyez intelligents et de ne pas être là tout le temps à vous lamenter comme ça. On est au 21e siècle et le temps passe vite. Vous savez, un homme alpha, son temps est très précieux. Quand tu es un homme alpha, le temps va filer très vite envers toi parce que vous êtes là en train de bosser sur vous. Vous ne voulez pas perdre une minute. Par exemple, moi, c'est vrai que je ne me vante pas, mais moi personnellement, moi, j'économise du temps. J'aime pas perdre du temps. Je ne peux pas rester une heure de temps sans rien faire. Non, non. Un homme alpha, il a des ambitions. Il va pas accepter de gâcher son temps comme ça sans rien faire. Moi, je ne vais pas accepter ça. Parce que le temps est précieux. Un homme alpha, en fait, c'est quelqu'un qui est... quelqu'un qui ne joue pas avec son destin. C'est ça un homme alpha. C'est quelqu'un qui ne joue pas avec son destin. Et après, les meufs, elles vont venir après. Faites ce que je vous dis là. Améliorez-vous tout le temps. Il faut vous améliorer. Et un jour, si vous réussirez, vous allez voir. Toutes les filles vont franchir sur votre porte. Les gars, je vous donne les clés là, actuellement là, je vous donne les clés. Concentrez sur vous. Réussissez. Et n'essayez pas d'être un homme bêta. Les bêtas, ils sont toujours là en train de courir derrière les filles, en train de perdre leur temps. Alors qu'ils se trompent, les filles leur trompent. Ils sont en retard. Parce que le moment où tu cours derrière cette fille là, Elle est avec toi, mais quand elle verra un autre mec qui est plus puissant que toi, elle va te laisser là, tu vas crever là. Et ça, tous les hommes alpha, ils comprennent ça. C'est pourquoi ils se concentrent sur eux. Donc c'est quelque chose où vous devez vous réveiller sur ça, au fait, les hommes. Les gars, vous devez vous réveiller sur vous. Vous devez vous réveiller, on est au 21e siècle. Concentrez-vous sur votre travail et réussissez. C'est ça un homme alpha. Un homme alpha, il n'a pas de temps à perdre. Un homme alpha, c'est quelqu'un, les gars, qui est... c'est quelqu'un qui ne joue pas avec son destin. Quelqu'un qui croit en lui. C'est lui qui passe en premier avant les autres. Un homme alpha, il passe en premier d'abord avant les autres. Moi, je passe en premier avant qui que ce soit. Et chaque jour, j'essaie de m'améliorer. Un homme alpha n'écoutera jamais les tueurs de rêves, un tueur de rêves par exemple, qui sont là en train de déstabiliser les gens sur leurs rêves. Un homme alpha n'abandonne jamais. Il travaille tout le temps parce qu'il sait qu'un jour il réussira dans la vie et quand il réussira, les filles vont venir derrière eux. Voilà les gars, c'était Didier Barre l'immortel, celui qu'on ne pourrait pas abattre. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre épisode. Allez, peace, one love.